Ils sont renoncés à la piscine pour faire l'autre bâtiment, que c'est une espèce de consulat. Ici, l'ambassade. On va s'arrêter un peu plus avant. Vous avez 7 minutes. Au même titre qu'à côté de la ville d'Havane, les habitants de ces quartiers aiment venir à bordure de la mer pour se baigner. Bien sûr, on y met aussi de chaussures pour éviter les contacts avec les eaux sèches. On a mangé là-bas, on a fini. Ancien théâtre Blanquita, avant la Révolution, aux années 60, a été nommé Chaplin. Et en 1976, on a célébré là-bas le premier bande dessinée, c'est que l'on va voir maintenant. Et dès là, on se trouve, c'est des bandes dessinées à la peinture verte, style Renaissance allemand. Il était là-bas, où se trouvent les deux bâtiments et les peintres. Le peintre. Voilà. Maintenant, regardez vers la gauche derrière et on verra ce qu'il a vu à la période. Bien sûr, sans le béton armé, de murs de Malécon, sans l'avenue par les étudiantes. Pour ces étudiants qui sont venus de l'Est de Cuba, étudier à l'avenir, la plupart n'avaient pas de la famille ici. Donc, l'État, contrairement au logement et la nourriture, est bien charge. Ici, les loisirs, la batterie numéro 4. Et ici, une vue générale, où c'est qu'à tirer la boue, donnant l'influx du Malécon. De la partie supérieure. En bas, la représentation de Cuba et des États-Unis, des femmes de la 17e avenue, de l'autre côté, la mère américaine montrant le cadavre d'un des enfants. Les deux canons sont d'origine. Manque deux bustes. Le buste du président américain qui a tant fait pour l'indépendance de Cuba. À droite, le bâtiment en bleu. C'est le ministère du commerce extérieur et en face le ministère de l'aviation civile. Et juste à côté de celui-ci, le ministère de la société du travail et sécurité sociale. On rentre dans l'aire de la municipalité, la Havana du centre, Cinco Havana, Havana du centre. De la fièvre jaune. Mais quand même étant. Peut-être ont été piqués les mêmes mesures par la même musique. Voilà. Ici, c'est la statue de Miranda. Et là-bas, voilà. À gauche, au bout de ça, après là-bas, c'est la statue de Pierre Lemoyne du Darwin. Il est mort ici à La Havane, à bord de son bateau, le juste s'appelait le bateau. Voilà le statut là-bas, à gauche. Pierre Lemoyne de Darwin. Iberville assiste toujours, Iberville. L'amphithéâtre à Havane. Voilà les bustes de Atatürk, fondateur de la nouvelle République turque, et de Ramazan Atatürk, poète national de l'Inde. Ici, les bustes aussi d'Antonio Guterres, révolutionnaire des années.